Hey, salut à tous et à toutes, c'est Itchou, on se retrouve pour la partie numéro 82 des Juges vos chaînes. Désolé encore d'avoir été aussi long à sortir cette vidéo. C'est parti! Première chaîne YouTube, Angelo, chaîne propre et complète, évite les vidéos en vertical, même s'il n'y en a qu'une. La qualité de la luminosité et audio et vidéo s'est améliorée comparée à tes premières vidéos. Il faut que tu gagnes en aisance, prépare tes textes avant chaque vidéo, essaye aussi d'être plus présent au montage, faut que ce soit plus fluide, évite les moments de blanc. Pour le moment, tu fais que des erreurs de débutant, mais avec le temps, ça partira. Deuxième chaîne YouTube, regard critique. Chaîne propre et complète, alors t'es vraiment à fond sur tes let's play, il y en a beaucoup, mais je remarque que pour chaque vidéo, le son est différent, faut que ça soit facile à comprendre, donc une bonne qualité pour tous les participants, surtout pour des let's play, puis gagne en punch et en confiance en toi. Tu peux aussi faire des vidéos avec plus de montage, ou par exemple faire un récapitulatif, même aussi fidéliser les viewers en leur donnant envie à continuer à regarder tes let's play. Plein de choses en s'offre à toi, juste fais encore plus d'efforts, mais ça reste bien. Troisième chaîne YouTube, l'Unimaxam. Chaîne très propre et complète. Alors j'ai regardé pas mal de tes vidéos, il y a la fluidité, le montage, l'aisance, la qualité de vidéo et audio est bonne. Tu es à l'aise dans tout, c'est quand même vachement bien. Plein de contenus différents et divers, juste pense à finir tes let's play, ça serait vachement bien, même si je sais que c'est compliqué. C'est d'ailleurs difficile de trouver de défauts, donc tu as tout pour réussir et je mets une petite vidéo. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui sur Hitman 3 pour la suite de la campagne. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas le petit abonnement, le petit like qui fait plaisir. Bonne vidéo. Pumpkin, Chine. Nous sommes en Chine. Ah bonjour madame, le décor est donné. Éliminer Hush. Éliminer Imogen Royce. Pirater le cœur de données indisponible. Éliminer toutes les cibles. Ok. Sir, you've got the wrong place. Vous êtes trompé d'adresse, je ne peux pas vous laisser accéder au refuge. Ah. Bon les gars, est-ce qu'on a du shoot? Bon bah voilà. Quatrième chaîne YouTube, Black Purple. Le travail, la présentation de ta chaîne, ta description, les liens de tes réseaux sociaux, une chaîne un peu brouillon. Tu peux encore faire plein de choses pour améliorer ta chaîne, faire des freestyles avec un mini clip. En conclusion, travaille tes vidéos et ta présentation de chaîne, la mise en page, etc. Courage à toi. Cinquième chaîne YouTube, Sahabib Prod. Chaîne propre, pense à rajouter des liens de tes réseaux sociaux. Tu expliques bien avec ta voix off, la qualité de vidéo et audio reste bonne. Peut-être t'acheter plusieurs stabilisateurs pour tes caméras, vous avez un univers bien à vous et j'ai toujours aimé ça. Vous pouvez encore améliorer quelques détails ou couper des moments inutiles qui n'étaient pas forcément utiles du coup. Mais en tout cas, j'ai aimé votre univers et ça m'a de suite fait accrocher à tes vidéos. Regardez jusqu'au bout, donc je vous laisse une petite vidéo. Ça faisait des mois qu'on en parlait. On voulait faire un voyage à vélo, pas forcément un truc bien organisé. D'ailleurs, on a beaucoup misé sur l'improvisation. Et probablement aussi parce qu'on avait la flemme. D'ailleurs, c'est pour ça que l'organisation était plutôt bancale, comme vous allez le voir. Un peu comme ma vie sentimentale. Enfin bref. On nous a juste donné des vélos, on a fait quelques réparations et on était prêt à avaler de l'asphalte. On est parti de Saint-Bonnet-le-Château, un petit village de la Loire. L'excitation commençait à monter et notre soif de liberté allait enfin se concrétiser. La météo est mitigée. Allez, salut les petits potes. Les réparations sont minutieuses. Et on s'est trompé de chemin. Tout ça en l'espace de 20 minutes. Ça commence extrêmement bien. Sixième chaîne YouTube, Higo Tuto Jeux. Manque bannière, essaye de faire une meilleure description et mettre lien de tes réseaux sociaux, faire de meilleures miniatures et titres, d'avoir un meilleur son quand tu parles et baisser le son du jeu, à être plus présent au montage, aussi à garder que les meilleurs moments ou enlever des moments blancs, à éviter les vidéos en vertical ou mettre un background en plus. Donc tu ne peux qu'aller de l'avant, fais plus d'efforts pour la présentation de ta chaîne et tout le reste. Courage à toi. Septième chaîne YouTube, Hispagnol. Chaîne propre et complète, pense à mettre le lien de tes réseaux sociaux, tu expliques bien, le montage est suffisant pour ce genre de vidéos, tu aides des gens, les vidéos sont de bonne qualité, donc je t'encourage à en faire d'autres.
Huitième chaîne YouTube, Alpha Dominant. Chaîne propre, manque lien de tes réseaux sociaux, je ne peux pas trop juger les chaînes musicales, mais en tout cas, tes clips restent de bonne qualité, continue. Neuvième chaîne YouTube, Neox FR. Chaîne propre et complète, pour ton déballage de cartes, entendre ta voix est crucial pour les réactions épiques et autres, fais ressentir le stress aux viewers et ton envie. Pour les let's play, tu laisses bien découvrir le jeu, mais parfois pense à baisser le son du jeu pour mieux t'entendre. Travaille aussi ton aisance et quelques textes pour savoir ce que tu vas dire, mais en tout cas, tu commences bien, même s'il reste quelques petits trucs à améliorer. Dixième chaîne YouTube, Obscuria, chaîne propre et complète, c'est bien expliqué, il y a des moments que tu pourrais cutter pour gagner en fluidité, le montage aussi est bon. En conclusion, ta chaîne est bien, je trouve que certaines vidéos sont plus faciles à regarder que d'autres, mais t'as ton univers à toi, tu expliques bien et c'est très bien, je continuerai à suivre tes efforts et tes futures vidéos pour voir tes améliorations. 11e chaîne YouTube, France Maroc, chaîne vraiment brouillon, plein de choses à retravailler, miniatures, titres, mise en valeur de la chaîne, les vidéos sont en vertical, au moins mettre un arrière-plan pour que ce soit plus facile à regarder, ta chaîne est clairement ton disque dur externe. 12e chaîne YouTube, Team A239, chaîne propre et complète, j'aime bien les vidéos drôles, tu gardes vraiment les meilleurs moments des vidéos, nos prises de tête, peut-être proposer un format plus court, mais le montage est présent, la qualité est bonne, tout est réuni pour passer un bon moment, pour regarder vos vidéos jusqu'au bout, je vous mets d'ailleurs une petite vidéo. On va faire un petit appel, restez ici au milieu, tous. Faites l'appel. Shadow. Oui. Oh, Shadow. Je suis sûr que je vais être Shadow. Ghost. Ouais. Yeah. Ghost, on l'entend bien, ouais. Shadow, c'est moi, Shadow, oh, je fais des pasta le soir, t'es retardé. Merde, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, le shield. Ah, Ghost. Oh non, Ghost. Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Ghost qui a tué Cafette. Après, je sais pas. Comment ça, en tout cas, l'information, après, elle est sympathique. Comment ça, sympathique? C'est très sympathique tout ce que tu me dis. 13e chaîne YouTube, Lucas Guest. Chaîne propre et complète, la qualité d'audio et vidéo est bonne. Peut-être penser à un antipop pour le vent. Sinon, c'est très pro, de très bons plans, bon scénario. Tu as tout pour réussir. Pourquoi pas faire une série? Je te souhaite beaucoup de bonnes choses. Maintenant, il va falloir trouver une solution de financement pour gérer les acteurs, le matériel et pourquoi pas d'ailleurs. Mais je te souhaite beaucoup de courage et je te mets une petite vidéo pour la mise en avant. Vous êtes tous morts. Tout est à secte. Parmi les premières consignes, la prudence. Sur les sites de discussion virtuelle et chat, les enfants entrent souvent en contact avec des personnes qu'ils ne connaissent absolument pas. En effet, 17% des jeunes de 11 à 17 ans ont déjà été confrontés sur Internet à des contenus violents ou pornographiques. Des logiciels de contrôle parental peuvent être téléchargés gratuitement. Ils empêchent notamment aux enfants de transmettre leur adresse ou leur numéro de téléphone. Chef. 14e chaîne YouTube, Skyrix TV. Pense à ne pas faire de faute d'orthographe, pensez à mettre un lien de tes réseaux sociaux, à améliorer tes titres et miniatures, parle aussi dans tes vidéos, ce n'est pas accroché aux viewers, dans tes lives, baisse le son du jeu pour mieux t'entendre, essaye d'avoir une meilleure qualité de vidéo, que ça ne soit pas comme ta vidéo de présentation de tes jeux PS4, plein de choses à améliorer, mais courage à toi.
15e chaîne YouTube, Tin Fail. Chaîne propre et complète, je te sens à l'aise. Pour ta cam et en arrière-plan, pourquoi pas t'acheter un fond vert et avoir une meilleure luminosité pour éviter le contre-jour. Mais sinon, tu expliques bien, c'est de la bonne qualité. Peut-être préparer de tes textes pour travailler, pour préparer tes textes pour tes vidéos, pour éviter les moments de blanc. Peut-être faire un peu de montage, mais en tout cas, un très bon, très bonne chaîne YouTube que j'avais déjà jugée et je le conseille de regarder cette chaîne. 16e chaîne YouTube, Nero Mélanie, chaîne propre et complète. Même si tu dois retravailler quelques miniatures, vous expliquez bien, vous faites un bon montage. Aussi, dans des lives, vous allez à l'essentiel, mais vous pouvez encore vous améliorer. N'hésitez pas à voir des tutos pour ajouter de l'animation, mais aussi... Essayez de préparer un texte pour vos vidéos pour éviter les moments de blanc. Pensez aussi à déstresser pour gagner en aisance. Vous faites quelques erreurs de début, mais ça partira avec le temps. Faut améliorer en aisance et en montage, et ça sera bon. 17e chaîne YouTube, Leroux. Chaîne propre et complète, mais peut-être faire une description plus longue. C'est court. Pour vos vidéos, essayez d'avoir un bon éclairage et fermer les volets pour éviter le contre-jour. Au montage, coupez les moments inutiles et allez à l'essentiel pour vos vidéos, vlogs. Pensez à prendre un stabilisateur pour éviter que cela ne bouge trop. Pensez aussi à vos plans, mais en tout cas, vos vidéos sont un bon délire. Alors continuez comme ça. Juste pensez que vous pouvez gagner pas mal de viewers et d'abonnés supplémentaires avec une très bonne qualité de vidéo ou plan. Et évidemment, avec vos moyens, faites ce que vous pouvez. 18e chaîne YouTube, It's Sonic King, chaîne propre, pense aux liens des réseaux sociaux pour te suivre plus facilement sur tes vidéos, peut-être investir à un trépied ou un stabilisateur, ou en tout cas je tenais à dire que tes vidéos se laissent facilement regarder, tu t'appliques au montage, je pense que tu peux encore améliorer avec un stabilisateur, mais à faire plus de montage, sinon j'ai vraiment apprécié ta chaîne, je mets une petite vidéo. Hello les gars, donc je vous conseille vivement de venir là, c'est très 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 beau. Regardez comme c'est magnifique. Waouh! Donc c'est le Ferro Barrio si vous voulez venir. Wesh les gars! Salut! Bon dia! Alors? Mila, dis-nous comment t'as trouvé ce petit rooftop. Amazing! La vue magnifique, décor, ouais. Grave cocooning, grave chill. Et qu'est-ce que tu penses de Lisbonne pour l'instant? En vrai, j'ai pas eu le temps de faire tour ma touriste, mais ouais. Je vous redis ça dans quelques semaines. Le brunch au top, genre, meilleur brunch que j'ai jamais mangé, vraiment. Perfect. The view is just amazing. Le décor est juste trop top, cocooning et tout. J'adore, regarde-moi ça. 19e chaîne YouTube, Max Hunter Fisher. Chaîne propre et complète, pense à t'acheter un trépied ou un stabilisateur. Évite les bidons en vertical, soit en haut si plus présent en montage. Évite les moments de blanc, mets une musique libre de droit en fond. Tu es une chaîne YouTube rare et originale. Alors essaye d'exploiter tout ça en préparant tes vidéos, en préparant tes textes et avoir un meilleur matériel. Mais aussi, travaille ton aisance, mais je continuerai à suivre tes futures vidéos. 20e chaîne YouTube et la dernière, Abarth Alpha and Friend Italian Car Model. Une chaîne très longue, le titre est très long. Chaîne propre, améliore tes titres et mets-les plus en valeur tes titres, mais aussi les liens de tes réseaux sociaux pour te suivre plus facilement. Mais en tout cas, ça se voit que c'est une vraie passion. Ton montage et ta façon de filmer est suffisamment bien pour tes voitures de collection. En tout cas, chaîne originale, continue comme ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo des Juju Chaîne partie 82. Désolé d'avoir été aussi long. Et puis n'hésitez pas à aller voir les chaînes YouTube que j'ai proposées. Et on se retrouve pour d'autres vidéos. A plus les gens!